discussion en parlant des spectacles par les investisseurs et pour l'année qui vient. Donc, comme d'habitude, vous avez entre 30 et 40 minutes pour vous exposer l'essentiel de votre travail devant le jury. Et je remercie vivement nos collègues qui nous sont déplacés. Monsieur Lambert, monsieur Tarek, monsieur Mendy. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Jury, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'aider à aujourd'hui bien vous reporter à mon travail de recherche. Enfin, nous parlons de ce jury, nous mettons un coup de soutenir mon président. Je remercie également tous ceux qui m'ont fait l'amitié de venir assister à ma séance. Ma famille, mes amis, merci pour votre soutien et votre présence. J'ai en deux le plaisir de présenter devant vous aujourd'hui ma présentation, mon sujet. Contribution au gouvernement du spectre par l'utilisation des signaux électromagnétiques du monde. Nous allons vous présenter notre travail sur le mouvement suivant. Nous commençons avec une introduction. Nous présentons le contexte, la problématique et la méthodologie suivie de l'utilisation du monde. Puis, dans la deuxième partie, on va présenter le plan des yeux qui nous a permis d'avoir des mesures politiques. Donc, ensuite, dans la troisième partie, nous représentons l'organisation des problèmes directs, c'est-à-dire la simulation de la propagation du monde électromagnétique le long d'un réseau politique. Ensuite, dans la quatrième partie, on représente l'algorithme d'IRB d'optimisation qui nous a permis de détecter et de caractériser tous les défauts dans un réseau difficile. Dans la cinquième partie, on va présenter quelques applications industrielles de la réflexion. Et enfin, on va terminer par les conclusions et les perspectives. Le contexte. Le contrôlement perspectif est un ensemble de méthodes permettant la caractérisation de l'état d'intégrité de structures d'installation ou de matériaux sont libérales, soit au cours de la production, lors d'utilisation, ou dans le cadre de maintenance. On parle aussi d'essai ou d'examen du soutien. Les câbles sont pour les installations électriques sous-collinaires, sont pour le corps humain. Ils sont les liens vitaux sur lesquels les signaux électriques sont transmis d'un point à un autre. En trois mois, la longueur des câbles combattus sur le long terme a plus que 10 coudées, passant de 200 à plus de 4 mm. Cette problématique est aussi présente dans notre consultation de barrages hydrauliques, dans les installations de contrôle qui sont par nucléaire et dans l'aviation, tous les nombres de câbles dépassent plusieurs centaines de kilomètres dans les avions modernes, près de 400 km vers les installations pétrolières. Donc, les câbles sont parfois la principale source de problèmes sur les systèmes de contrôle et de surveillance. Ils sont longs et situés dans un environnement assez difficile. Cela peut être le cas d'un système de surveillance dans un barrage, où les températures à l'intérieur du béton et les pressions sous la fondation doivent être mesurées en temps réel pour une bonne situation de l'ouvrage. Le 17 juillet 1996, 12 minutes après son décollage, le Boeing 747, au départ de New York et à destination de Rome, explosant en plein vent, aucun des 130 personnes n'a pas ramassé du tout. Après 4 ans d'enquête, ce dernier compte de décollage s'est conduit à l'explosion. Les réservoirs sont là à cause de tous ces flux au niveau du câble de la jauge, du câble. L'enquête a passé le record de 2 litres avec 4 ans et un coût de 35 millions de dollars. Ce genre d'événement peut être évité si nous comprenons surtout le système de câblage unique. Le système nous signale constamment où sont les problèmes, mais pas dans un langage humain ordinaire. Dans le passé, ces messages ont été négligés puisqu'ils ont été trop coûteux dans le temps, mais aussi trop difficile à comprendre jusqu'à ce que les réparables se produisent. Donc, ça, c'est de la fiabilité du câblage est devenu alors crucial. Parmi les causes provocatrices des défauts dans les réseaux câblés, on cite le vieillissement, les conditions climatiques, la pénétration d'eau, l'éra et l'isolement. La méthodologie suivie dans cette thèse, c'est la réflexion. Donc, parmi les méthodes en ligne de contrôlement de sécurité de réseau fédéral, figure la réflexion. Elle repose sur le principe de rapport basé sur l'injection d'un signal électromagnétique à l'une des extrémités du réseau, à diagnostiquer ce signal se propage selon
les droits de propagation et lorsqu'il rencontre une discontinuité ou un défaut, une partie de son énergie va revenir au point d'injection. Donc, le traitement du signal réfléchi va nous permettre de détecter, caractériser, localiser tous les défauts dont le réseau se place. Les moyens expérimentaux mis en œuvre pour ce travail sont ceux du laboratoire de la compatibilité électromagnétique de l'Université de L'Aquila en Italie. Le bon de mesure comprend un analyseur victorien de réseau, une mise à la terre, un câble de calibrage et différents longueurs du câble de correction. C'est reçu ce test. Après avoir le signal réfléchi, il y a un glissé pour le traitement temps fréquence pour avoir le signal contemporain. Donc, les principales étapes de la mesure électromagnétique sont l'injection d'un signal de radiofréquence à l'entrée du dispositif sur test, puis la détection, le traitement et la visualisation du paramètre d'espace. Les paramètres d'espace mesurés par le VNA, la mesure électromagnétique du réseau, représentent la réponse fréquentielle du réseau. Ainsi, il peut être simplement multiplié par le spectre de l'intuition qu'on peut utiliser dans l'assignation du modèle direct. La transformée de Fourier inverse est appliquée pour convertir la réponse fréquentielle à une réponse temporaire. Ici, on va présenter quelques résultats expérimentaux. Dans une première expérience, nous avons testé un câble RJ58, un câble coaxial, sans défaut d'une longueur de 10 mètres, à l'aide d'un analyseur victorien du réseau. Donc, le VNA, le paramètre virtuel du réseau, nous donne le paramètre espance. Le paramètre espance, c'est le facteur de réflexion du réseau. Donc, on fait le traitement temps fréquence pour avoir le signal temporaire. D'après la valeur du signal réfléchi présenté dans la figure de 3, on voit clairement qu'aucune réflexion n'a apparu, ce que signifie que le câble est simple. Dans le cas d'un câble en court circuit, la charge est à zéro. Dans ce cas, le câble est chargé par un court circuit, le signal réfléchi est rendu dans la figure de 4. Le réflexe de dans la figure de 4 montre un pic négatif, au point T il est à 0,1 microseconde. Ce qui sera vu par la présence d'un court circuit à la fin du